En 2023, l'Euroscar Jet Challenge fête ses 20 ans. Comme de coutume, les concurrents se retrouvent à Manicourt pour l'ouverture de cette saison, composée de 7 rendez-vous comptant pour le championnat. Philippe Naniche et Christian Rossi pouvaient se réjouir de la présence d'une vingtaine d'engagés pour cette étape nivernaise, qui voyait le retour de têtes bien connues du championnat et notamment en Georges Canas, victime d'un accident ici l'an passé, venu en visiteur avant de faire son retour à la compétition dans les prochaines semaines. Le champion en titre Karl Van de Vosteen sur sa Porsche de l'équipe 911 Impact sera également dans le viseur des adversaires, pour certains présents pour la première fois en Euroscar. Il faut qu'on découvre que c'est l'Euroscar et quels sont les clients, quels sont les rapides, quels sont là. Après, je note, je dis tiens, il y a celui-là, puis après on observe. C'est la première fois que je vais en Euroscar avec mon ami coach Philippe Smelley. Voilà, c'est lui qui m'a appris à piloter. Faire plaisir, ça fait partie du jeu. Nous, on a une ambiance qui est pas française, elle est belge, mais bon, apparemment, ça a l'air de bien passer. C'est cool, on se sent à l'aise. Ouais. On vient de changer, enfin, on a racheté une nouvelle voiture, une 91 4 litres pour pouvoir cette année rouler en endurance père-fille. On a fait ça il y a quelques années, c'était un très très bon souvenir. Bah, moi, c'est que du bonheur. D'ailleurs, à Noël, elle m'a offert une nouvelle combinaison. À 77 ans et maintenant, ça veut dire qu'il faut que je continue. Donc là, ce matin, pour l'instant, je suis devant elle. Je pense qu'elle va me rattraper demain. Il y a un petit peu plus de stratégie avec les changements de pilote. J'avais envie de ça cette année par rapport à des courses de sprint. Moi, je trouve que l'ambiance est très, très chouette. Je vous invite à venir. C'est génial. Avant de se lancer en piste, tous les concurrents assistent au briefing dispensé par Philippe Naniche et Pascal Mangiapan, un rendez-vous important pour les nouveaux venus et les habitués afin de se remémorer des règles essentielles de sécurité qui vont permettre à tous de vivre un week-end plaisir. Une fois briefés, les concurrents vont tenter de décrocher une bonne place sur la grille de départ. C'est sur piste humide que la première des deux séances qualificatives de 10 minutes débute. Et c'est le champion titre Karl Van de Vosteen qui frappe fort d'entrée de jeu avec un chrono d'une 51-0-61, synonyme de pole position au scratch et en R2. Il se fera malheureusement piéger dans la seconde et devra partir du fond de grille pour la course numéro 2. Deuxième position sur la grille de cette première course pour Thomas Winkler devant Thomas Badel, nouveau venu en Roscar. En R3, pole position pour la Porsche numéro 18 pilotée par Sergin Corvaya. En R4, meilleur chrono pour Fabio Malerba sur sa Porsche Cayman GT4 de l'équipe PVTech. Plus que quelques instants avant le départ de la première course du week-end d'une durée d'une heure, l'équipe Euroscar place les voitures en épi à la sortie des stands. Les pilotes profitent de leurs ultimes instants de concentration avant de se lancer dans la compétition. C'est parti pour cette première confrontation de la saison. Le meilleur départ est à mettre à l'actif du poleman Karl Van de Vosteen. Il est suivi par Thomas Winkler et Thomas Badel sur la Porsche numéro 5. Dans ces conditions délicates, les concurrents sont prudents et doivent penser à bien mettre leur pneumatique Pirelli en température. Damien Roche attaque et se met tout de suite en évidence en signant le meilleur chrono provisoire au 5e tour. Il reste en embuscade derrière les 3 autres de tête. Superbe attaque au freinage de la part du nouveau venu Thomas Badel. Dans ces conditions piégeuses, le pilote habitué au rallye excelle et s'empare de la deuxième place au détriment de Winkler. Le Suisse n'a pas dit son dernier mot et tente de rester au contact de Badel tout en gardant Damien Roche derrière lui. Oh, et c'est le tête à queue pour Thomas Winkler! Fort heureusement, il ne touche pas le mur et va pouvoir repartir. Devant, Karl Van de Vosteen continue d'imprimer son rythme, il reprend le meilleur tour en course et creuse l'écart sur son plus proche poursuivant. Belle lutte pour la 6e place entre Jean-Christophe Rey et Yann Bradac. Et malheureusement, le pilote, un saut assistant, se fait piéger également à la dernière chicane. C'est une nouvelle place de prise pour Rey dans la Porsche numéro 16. Dans le peloton, les concurrents se régalent. C'est notamment le cas de Marc-Edouard Krasertz et Hervé Hubert sur leur Porsche 991 Cup et Ferrari 488 GT3. Damien Roche sur la Porsche numéro 22 s'accroche au rythme de Thomas Badel. Très rapide, le pilote Story Compétition fait mieux que résister au pilote de B Autosport qui perd quelques secondes précieuses dans cette glissade à la sortie du virage du Château d'Eau.
alors qu'il ne reste que quelques instants avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand, Karl Van der Westin est largement en tête devant Badel et Roche, toujours en embuscade. Une salve d'arrêt lancée par Jean-Christophe Rey qui va laisser son volant à son équipier Arnaud Breuil. Au tour suivant, c'est le leader Karl Van der Westin qui rentre pour effectuer son arrêt d'une minute 50 obligatoire. Cette phase de course permet aux concurrents de ressentir toute l'émotion des épreuves d'endurance avec changement de pilote. En piste, Thomas Badel en a profité pour établir le meilleur tour en course avant de rentrer au stand et de laisser son baquet à Richard Paget. Pas de changement de pilote pour Thomas Winkler, seul engagé au volant de sa Porsche numéro 43. L'occasion pour ses mécaniciens d'ajuster les pressions de ses pneus Pirelli pour la dernière demi-heure de course. Oh, et attention à la petite erreur de Richard Paget à l'issue de ses arrêts. Ses pneus se sont refroidis et la piste reste piégeuse. Si la Porsche numéro 1 est toujours leader, derrière la hiérarchie est modifiée puisque Michel Mithieu a pris le relais de César Van de Vostin. Il est désormais deuxième derrière son équipier. Troisième place pour Thomas Winkler devant Amaury Vaucher qui écope d'un stop and go de 4 secondes pour non-respect de la durée d'arrêt obligatoire. Juste derrière, la bataille fait rage entre Breuil et Paget pour la cinquième position. Hervé Hubert se régale au volant de la Ferrari 488 et mène la catégorie RX, tandis qu'Anne-Sophie Nouri continue de prendre ses marques au volant de sa toute nouvelle Porsche 991 Cup qu'elle partage avec son papa Michel. Course solide pour Bruno et Fabio Malherba sur leur Porsche Cayman engagé en R4. Sébastien Dezoal mène la catégorie R1 alors que ses pilotes caracolent en tête. Les chronos descendent tour après tour pour Karl Van de Vostin et Michel Mithieu qui n'ont plus que quelques hectomètres à parcourir. Victoire au général et doublée en R2 pour les Porsche de l'équipe 911 Impact. Confirmation du classement et des vainqueurs de catégorie, Charbonneau et Incorvaya s'imposent en R3, Hervé Hubert en RX, Sébastien Dezoal en R1 et pour leur première course en Roscar à bord de leur Porsche Cayman, Bruno et Fabio Malherba l'emportent en R4. Avant la seconde course, nous avons retrouvé Christian Rossi et Michel Mithieu, l'un des pilotes qui était là il y a 20 ans, pour la toute première course de l'histoire du Roscar ici, à Manicourt. Ah ben 20 ans, c'est sûr que ça fait un bail. Hein. À partir du club, en 95, passé à 2003, j'ai eu la lumineuse idée de me casser la tête à chercher un nom, Rossi, car j'ai mis un peu d'anglicisme, si on peut dire comme ça, dans le nom. Et puis c'est parti, hein. Roscar, il faut pas oublier, c'est une course de copains où on est là pour s'amuser et donc ça a bien fonctionné. Le Roscar a toujours été ouvert d'entrée aux autres marques. En étant amoureux quand même de belles voitures, on est toujours content de voir autre chose que des Porsche. On a commencé ouais, en 2003, ils faisaient les briefings dans les box comme ça. Bon, écoutez-nous là, faites pas les cons et tout. Faites attention. Non, c'était et il y a donc, 20 ans. Bon, et voilà. Ça, c'est un de mes pilotes, pas préféré, mais presque, hein, qui a fait le premier Oscar, et Michel a toujours été, je pense, fait partie des deux, trois meilleurs pilotes du club. Hein, ce qui lui a permis d'aller, de faire de grosses épreuves dans d'autres championnats d'endurance. C'est vrai que ça fait super plaisir d'être toujours là 20 ans après et de continuer à se battre pour la tête, quoi. Je vois ça encore pendant quelques années, sous la houlette de mon ami Philippe. Il n'y a pas de raison que ça marche plus. En fin d'après-midi, il est temps de repartir en piste. Les mécaniciens effectuent les derniers ajustements sur les voitures, les techniciens Pirelli préparent les pneumatiques, tandis que Thomas Winkler se prépare, lui, à mener la danse puisqu'il part en pole position aux côtés de Michel Mithieu pour cette deuxième course disputée sous le soleil nivernais. Le drapeau vert est agité, Thomas Winkler conserve sa première position devant Michel Mithieu et Sébastien Dezoal. Partie 13e, Karl Van de Vossim remonte déjà très fort dans le peloton. Devant, Thomas Winkler est aux prises avec Michel Mithieu, alors que dans le paquet, les luttes font rage, notamment pour la 9e position entre Aymeric Le Breton, Thomas Pfister et Richard Paget. Ce dernier est victime d'une légère incompréhension entre ses deux adversaires. Course terminée pour les trois pilotes à l'épingle d'Adélaïde. La voiture de sécurité va faire son entrée en piste pour permettre au commissaire d'évacuer les véhicules en difficulté. La relance intervient trois tours plus tard. Nous sommes avec Sébastien Dezoal. Le Belge est poursuivi par Arnaud Breuil et Karl Van de Vostin, déjà revenu cinquième.
Quelques tours plus tard, le champion 2022 est même revenu sur le duo de tête. Belle résistance de Winkler face à Mitius, mais l'ordre des leaders ne va pas rester longtemps inchangé. Karl Van de Vostine va porter une attaque décisive au freinage du lycée et s'emparer des commandes de cette course. Derrière le trio de tête, Sébastien De Zoal devance les Porsche de Breuil, Vaucher et Jacquel. Leader en R3, Jean-Marie Agier devance Michel Loury sur sa 991 Cup numéro 9. La fenêtre d'arrêt obligatoire programmée entre la 25e et la 35e minute vient de s'ouvrir et le leader, Karl Van de Vostine, s'engouffre directement dans les stands, suivi d'Amaury Vaucher et de Michel Mitius. Les pilotes partageant une voiture se passent le relais, tandis que les mécaniciens effectuent des vérifications de routine. Gérard Dorien, sur sa solution F numéro 12 et ses nouvelles couleurs, va pouvoir repartir. Il est leader de la catégorie RX. À l'issue de ces arrêts, la Porsche numéro 1 conserve sa première place et devance toujours les Porsche numéro 43 et 14 de Thomas Winkler et César Van de Vostine, lui-même sous la menace de Sébastien De Zoal. Le boss de l'équipe 911 Impact va finalement trouver l'ouverture au virage du lycée et s'emparer de la troisième place. Il ne reste plus que quelques minutes dans cette deuxième course de la manche d'ouverture de la saison 2023 de Roscar. Malheureusement pour Gérard Dorien, la solution F numéro 12 n'ira pas au bout de cette épreuve. Il va devoir mettre pied à terre. Piste, la lutte bat son plein pour la quatrième place entre Yann Bradac, César Van de Vostine et Damien Roche. Beau freinage et dépassement de Bradac sur la Porsche numéro 24 à Adélaïde. Malheureusement, ce sera trop juste pour Damien Roche qui a également tenté de s'infiltrer. Mais c'est l'accrochage, les officiels vont décider de sortir le drapeau rouge et d'interrompre cette course. Karl Van de Vostine entame donc parfaitement sa saison 2023, celle de la défense de son titre, en s'imposant pour la seconde fois du week-end. Thomas Winkler se classe deuxième, tandis que la troisième position revient à Sébastien De Zoal. Au cumul des deux courses, Karl Van de Vostine s'impose en R2 et au général devant Thomas Winkler et le duo composé de César Van de Vostine et Michel Mitius. Sébastien De Zoal s'impose en R1, un Corvaya Charbonneau et Agier l'emportent en R3, Bruno et Fabio Malherba placent leur Porsche Cayman GT4 en tête du R4, tandis que la victoire en RX revient à Gérard Dorien. Première course, sous la pluie, bien humide la première partie, séchante la deuxième, mais j'ai bien réussi à aller chercher les points d'eau sur tout le circuit, donc j'ai maintenu mes pneus. Deuxième course, j'ai été aidé par les autres, hein. Le crash avec trois voitures, j'ai gagné trois places comme ça, la safety car, j'ai pu recoller la tête de course. J'ai été aidé de l'extérieur, mais j'ai tout donné, donc j'étais content. C'est toujours intéressant de voir qui est présent dès le premier week-end. Nous avons longuement réfléchi avant de venir, mais c'était une bonne décision. Et on s'est vraiment très bien amusé ce week-end. Comme sur toutes les épreuves Roscar, les traditionnels podiums récompensant les vainqueurs de différentes catégories concluent la journée. Les pilotes se sont régalés en piste et se préparent déjà à se retrouver sur le circuit de Dijon-Prenois les 7 et 8 avril prochains. D'ici là, si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge.